Alors, rebonjour à tous et surtout merci d'être avec nous. Depuis hier, on a pu entendre plusieurs témoignages d'élus, d'organismes qui se sont adaptés à travers cette crise planétaire. Les entreprises aussi ont dû mettre en place des cellules de crise, faire preuve d'imagination et surtout se réinventer. Vous allez voir qu'un geste aussi simple comme se laver les mains, ça peut devenir un défi en soi. J'invite d'abord Monsieur Luc Piché, expert chez Prudent Groupe Conseil, à s'adresser à vous. Monsieur Pierre Drolet, vice-président système de gestion industrielle chez Air Liquide Canada, va prendre ensuite la parole. La période de questions suivra les deux présentations. Alors, je vous invite à vous exprimer dans la section droite de votre écran, en précisant surtout à qui s'adresse votre question. Alors, Monsieur Piché, la parole est à vous. Oui, bonjour. Bien heureux d'être avec vous ce matin. Ce que j'espère faire avec vous ce matin, c'est partager certains défis que nous avons vécu au niveau de la gestion des comportements en situation de pandémie en milieu industriel. Comme vous pourrez le constater, ma présentation se fera sur un ton relativement léger, à la limite humoristique, caricatural. Tout ce que je vais vous présenter ce matin, anecdotes et autres, c'est véridique, que j'ai rien inventé de ça. Ça peut être loufoque un peu à l'occasion. Donc, j'espère vraiment que vous allez apprécier. Fait que là-dessus, je passe en mode partage d'écran avec vous. Ce que je vais couvrir ce matin, un peu plus en détail, c'est premièrement, le plan intégré d'intervention en cas de pandémie de cette entreprise, et ainsi qu'un petit survol de l'évolution de la situation de la pandémie, okay, pour revenir un peu, là, voir à quelle vitesse les choses ont évolué. Mais ce survol, je n'irai pas en détail. Monsieur Drolet va nous parler par la suite, plus en détail des plans de gestion de crise, plans de continuité des affaires. Donc, je vous laisserai le loisir d'aller en détail là-dedans. En tant qu'ingénieur, je ne vais pas m'empêcher de ma présentation d'insérer une courbe. Donc, ensemble, on va jeter un petit coup d'œil à ce qu'on appelle la courbe d'adaptation au changement. Et finalement, mais on va regarder, comme je le mentionnais, quelle façon un certain nombre de défis au niveau de la gestion des comportements ont été faits au niveau de l'équipe de direction, de la gestion des fournitures critiques, le lavage, désinfection des mains, distanciation sociale, port du masque. Et finalement, quelle façon les contacts étroits, les cas positifs ont été gérés avant de conclure sur les résultats qu'on a obtenus et deux petites leçons à retenir pour tous. Selon les experts, mais le principal inconnu dans l'évaluation des divers scénarios de propagation de pandémie, c'est le comportement humain. En fait, la meilleure façon d'illustrer ça, si on se rappelle, printemps dernier, Dr Arruda nous parlait d'écraser la courbe, de scénarios. Les journalistes, l'opposition, bref, tout le monde voulait voir les fameuses courbes et les fameux scénarios. Et en fait, ce qu'on nous a présenté, mais c'est une courbe avec trois courbes, en fait. Une première courbe qui tenait compte d'une adhésion optimiste de la population aux recommandations de la santé publique, dans laquelle on voyait vraiment une courbe qui s'aplatissait rapidement. Un scénario plus réaliste qui était plus en ligne avec la situation réelle à ce moment-là. Et finalement, une courbe pessimiste où on avait peu d'adhésion de la population avec une courbe qui continuait à monter et qui se prolongeait pour un certain temps. Fait que cette réalité-là, c'est-à-dire le principal inconnu dans la gestion de la pandémie, c'est le comportement humain, ou si c'est vrai au niveau des consignes gouvernementales et de la santé publique, mais c'est aussi une réalité qu'on a vue en. Oui. Je vous interromps quelques secondes. On a eu un petit problème avec votre présentation. Alors, on va mettre votre présentation en ligne et de nous informer à quel endroit est-ce que vous êtes rendu. OK, ben, je suis rendu à la diapo sur l'introduction, qui est probablement une ou deux diapos avant celle-ci, justement. Ce que je disais, Je vous remercie. De rien. Cette réalité, au niveau des inconnus dans la gestion des comportements, on la vit en entreprise, naturellement à plus petite échelle. Cette réalité demande, comme vous allez le voir, plusieurs ajustements dans les approches pour contrôler la situation. Fait que je vais donc vous présenter un survol rapide de la réalité qu'on a vécue dans une grande entreprise et de ces nombreux ajustements qui ont dû être apportés à la stratégie pour contrôler efficacement la situation.
Est-ce que c'est vous qui contrôlez les diapos? Oui, juste m'aviser quand je dois changer, s'il vous plaît. OK, diapo suivante. Au niveau du plan d'intégrer une intervention en cas de pandémie de l'entreprise, ce n'est pas très compliqué. C'est établi en fonction du degré d'évolution de la pandémie. En gros, on trouve 5 niveaux. Niveau 1 qui est une prise de conscience. C'est un drapeau qui est soulevé dès que certains cas sont signalés quelque part dans le monde avec un risque possible de propagation et de pandémie. À ce moment-là, il n'y a encore aucun cas qui est signalé au pays. En fait, c'est plus une vigie ou une veille qui est faite localement pour regarder ce qui se passe. Niveau 2, mais niveau de vigilance accrue, on commence à voir certains cas signalés au pays, mais encore là, dans la région immédiate de l'installation, dans notre cas de la grande région de Montréal, il n'y a encore aucun cas de signalé, mais à partir de ce moment-là, certaines actions additionnelles qu'on commence à prendre pour se préparer au pire. Niveau 3, mais à ce moment-là, on commence à avoir un peu de transmission dans la région de Montréal, une augmentation graduelle du nombre de cas, certains employés pourraient être infectés. Niveau 4, mais là, ça devient, comme le dit le titre, ça devient beaucoup plus intense. Là, on parle de transmission répandue dans la région de Montréal, augmentation rapide du nombre de cas. On a des scénarios où plusieurs employés pourraient être infectés. En fait, c'est un peu le niveau auquel on se retrouve présentement là, dans la grande région de Montréal. Pour ce qui est des couleurs, c'est une coïncidence que le rouge soit utilisé pour le niveau intense. Et finalement, niveau 5, mais c'est le niveau où tout le monde a bien hâte de se retrouver. C'est le niveau où on tourne graduellement à la normale avec aucun ou peu nouveau cas dans la grande région. Les cas existants se résorbent, etc. C'est vraiment tout ce qu'on espère rapidement avec la vaccination et le respect des règles. Ce plan-là, ce que je peux dire également, c'est qu'il a été mis à l'épreuve l'entreprise dont je parle. Oui, elle a plusieurs sites au Québec, mais un peu partout dans le monde. Et ça a été mis à l'épreuve il n'y a pas tellement longtemps, entre autres dans les pays africains avec l'Ebola. Ce qu'on constate des fois, à première vue, en regardant ça, on a l'impression que chacun des niveaux, pendant qu'on passe d'un niveau à l'autre, on dispose d'une certaine période de temps pour nous aider à s'ajuster, pour ajouter justement des mesures à mesure là, qu'on augmente de niveau. Fait que si on voit la prochaine diapositive, on va faire un petit retour sur la pandémie actuelle. Excusez, des fois, souvent sur une autre version de PowerPoint, les petites flèches qui indiquent les différents niveaux ont changé de place. Mais si on revient à notre pandémie actuelle, 1er décembre 2019, les premiers cas sont signalés en Chine. Assez rapidement au niveau de la corporation, on dit ben, passez au niveau 1, puis on vous demande de suivre et faire une veille un peu sur le volet pandémie. On est en décembre, Noël s'en vient, fait qu'on regarde ça, mais vraiment d'un œil, là, sans porter beaucoup d'attention. Au retour des fêtes, par contre, on commence à regarder ça un petit peu plus près. On commence à parler à l'équipe de direction qu'on doit reviser nos plans, s'assurer que tout est à niveau, qu'on ait établi une liste de fournitures critiques, etc. Donc, on a un certain nombre de tâches à réaliser. 22 février, je demeure dans la Naudière. Dans la Naudière, c'est le début de la semaine de relâche. Fait que moi, je prends l'avion. Je m'avais passé une petite semaine de vacances dans le sud à Cuba. Le cœur en paix. Tout est beau. Encore au niveau 1. Ça fait pas 3 jours que je suis à Cuba que le premier cas est relevé au Canada, à Toronto. Fait qu'immédiatement, le niveau d'action passe à 2. Pas plus tard que 2 jours plus tard, premier cas à Montréal, au Québec. On vient de passer au niveau 3. En dedans de quelques jours, on vient de passer du niveau 1 à 2 à 3. Je reviens de vacances le 30 janvier. L'OMS déclare la journée même l'état d'urgence de santé publique à portée internationale. 12 jours plus tard, l'urgence sanitaire déclarée au Québec et on vient de tomber au niveau 4. 18 mars, 6 jours plus tard, premier décès. 1er avril, à peu près 2 semaines plus tard, déjà près de 5600 cas et 99 décès. Fait que si on regarde ça, eh bien, on a passé du niveau 2 au niveau 4 environ 18 jours, même pas 3 semaines. Et du 12 mars au 1er avril, environ 18 jours, on est passé là, à 99 décès, ce qui est
ça nous rappelle vraiment à quel point les choses ont évolué extrêmement rapidement à ce moment-là. Si on va à la diapo suivante, c'est un extrait un peu du plan d'action de l'entreprise lorsqu'on atteint le niveau 4. Au niveau de la pandémie. Comme je disais tantôt, je n'irai pas dans le détail, mais on y retrouve une série d'éléments, des réunions qu'on doit effectuer, communication aux employés, du dépistage. Pour chaque action, mais naturellement, on a des protocoles, des directives, des outils, listes de vérification qui existent. Si on va à la suivante, mais diapo suivante, s'il vous plaît, mais on voit que rendu au niveau de pandémie, là, niveau intense, niveau 4, ben, on a une trentaine de différentes activités là, à mettre en place, allant de l'enquête épidémiologique pour les contacts, l'usage d'antiviraux, c'est disponible, l'identification des groupes vulnérables. Je n'irai pas dans le détail parce que, comme je disais, M. Drolet va parler un peu de ces choses-là, mais j'ai cru bon de vous les mettre, ceux qui voudront obtenir une copie de la présentation, ça pourra vous donner un peu une idée de ce qu'on peut retrouver dans ce plan de pandémie. Fait que, on va passer à la diapo suivante au volet théorique. Très simple, ce qu'on appelle la courbe d'adaptation au changement. En fait, c'est son vrai nom, c'est la courbe de diffusion de l'innovation. C'était pour démontrer à quelle vitesse certains groupes de la population pouvaient adopter un changement ou une innovation. Et ça s'applique également très bien au niveau là, d'une adaptation au changement de comportement, comme dans le cas d'une pandémie, on demande aux gens de changer leur comportement. Fait que ce qui est important là-dedans, c'est qu'on trouve... Premièrement, j'ai mis ensemble les innovateurs et les premiers adeptes. Ça, c'est les gens, là, on n'a pas besoin de les convaincre avant même de demander aux gens de porter des masques. Eux portent déjà des masques. Okay, c'est vraiment les précurseurs. Ensuite, on va retrouver ce qu'on appelle la majorité précoce. Eux vont adhérer au nouveau comportement dès qu'on a pris la peine là, de les informer correctement et de les informer. Habituellement, ils ne sont pas très difficiles à convaincre. Fait que nos innovateurs, premiers adeptes, c'est tout près de 15 % de la population, tandis qu'une majorité précoce, on parle d'une 40 % de la population. Fait que le premier 50 % est relativement facile à convaincre là, pour adopter de nouveaux comportements. Ensuite, on a ce qu'on appelle la majorité tardive. Eux, c'est des gens qui vont être influencés beaucoup là, par différents groupes. C'est des gens qui vont adhérer au nouveau comportement dès qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a une majorité qui le fait, que notre majorité précoce les a adoptés et que ça a du sens et que ça donne des résultats. Par contre, ils vont être influencés également par ce qu'on appelle les retardataires, qu'on peut également appeler les contestataires ou les réfractaires. Les réfractaires, c'est eux là, qui sont assez très, très difficiles à convaincre. Même parmi les plus extrémistes, on va les voir à la télé dans les manifestations anti-masques. Fait que nos retardataires réfractaires vont habituellement chercher à influencer notre majorité tardive en leur disant, mais regarde, c'est pas nécessaire, c'est des inventions, etc. Puis de l'autre côté, mais il y a l'équipe de direction, supervision, la majorité précoce, puis nos innovateurs qui tirent la couverture de leur côté pour les convaincre d'embarquer. Nos précoces, eux autres, sont relativement faciles à identifier. Si vous êtes sur la route le matin, vous allez les voir dans leur voiture avec le masque de procédure dans le visage, même s'ils sont tout seuls. L'odeur de sapin était remplacée par une douce arôme de purelle. Fait que ce sont nos deux extrêmes. Puis comme vous allez le voir tantôt, nos deux extrêmes représentent certaines difficultés à gérer. Okay? Autant nos innovateurs qui sont faciles à convaincre, mais ils sont faciles à convaincre, mais ils s'attendent à ce que tout le monde agisse de la même façon qu'eux. Et souvent, on n'a jamais assez de mesures en place pour les faire adhérer. Tandis que les retardataires, c'est le contraire. Si on en fait beaucoup trop, c'est pas nécessaire. Fait qu'on va le voir un peu plus tard. Ça demande certains efforts au niveau de la gestion. Fait que ça arrête le côté théorique. Je ne vais pas plus loin là-dedans. Fait qu'on va passer immédiatement à regarder certains défis, là, de tomber dans le plus concret.
que le premier défi qu'on a dû relever, c'est au niveau de l'équipe de direction. Comme je le disais initialement, quand on a parlé de travailler sur notre plan de gestion de la pandémie, ben, il y avait pas mal un gros scepticisme de leur part. Ça paraissait loin. Quelques cas en Afrique, eux, ne voyaient pas vraiment à court terme là, que ça puisse devenir un problème chez nous. Mais étant donné que la demande venait de la corporation, du corporatif basé sur l'expérience passée en Afrique, de commencer déjà à se préparer au cas où. Mais ils ont dit OK, allons-y, mais ils avaient un comportement plutôt passif à ce moment-là. Comportement passif qui, dès le début mars, avec les premiers cas au Canada ou au Québec, a complètement changé, où on a eu une mobilisation rapide de l'équipe de direction à partir des niveaux d'intervention 2 et 3. Et les premières choses qu'on fait, c'est de participer de façon proactive, d'abord pour entraîner rapidement la majorité précoce et inciter la majorité tardive à suivre les consignes dès que possible. Fait que gros effort de communication, dont je parlerai un peu plus tard, justement pour les faire adhérer dès que possible là, aux mesures là, de port de masque, de distanciation, de nettoyage de mains, etc. Mais le plus gros de la tâche, ça a été justement de gérer nos principaux influenceurs, nos extrêmes, c'est-à-dire nos précoces et nos innovants. Premièrement, pour éviter la COS-COVID. C'est quoi la COS-COVID? J'arrive dans un instant. Comme j'ai mentionné tantôt, également gérer les nombreuses plaintes de nos précoces et innovants par rapport à leurs confrères qui n'avaient pas vraiment la même rigidité qu'eux au niveau du respect des normes, des plaintes au syndicat, à la direction pour ajouter des mesures de contrôle qui n'étaient jamais suffisantes. Bref, ça demeure un groupe, oui, facile à convaincre, mais très, très exigeant. Okay? Fait que très difficile de gérer les attentes de ce groupe-là. Et de l'autre côté, l'autre extrême, nos retardataires, mais eux, justement, ce sont ceux qui vont aller tricher, qui vont demander un suivi serré sur le terrain par les superviseurs, entre autres, et au besoin même la mise en place de mesures disciplinaires. Vraiment pas différent de ce qu'on rencontre avec la population générale pour le respect, entre autres, là, d'éviter les rencontres. On a dû aller au niveau gouvernemental interdire ça, à permettre d'émettre des contraventions et maintenant on a ajouté par-dessus cela pour réussir à les gérer, bien, exiger que les gens là, entrent à la maison avant 8 heures le soir. Au niveau de la majorité tardive, il fallait quand même faire attention avec eux. C'est quand même un groupe pas entièrement convaincu. Fait que dans leur cas, c'était de limiter, entre autres, les tricheries, mais comme je mentionnais, contrecarrer l'influence de nos influenceurs. Okay. Au niveau de l'équipe de direction, tout s'est joué là au niveau principalement communication et intervention sur le terrain. Autre défi, si on passe à la diapo suivante, et j'arrive à la fameuse COS-COVID. Qu'est-ce que c'est la COS-COVID? Au début mars, le 11 mars, en fait, sur Radio-Canada, on avait en tête que coronavirus, pénurie de papier de toilette dans les Costco du Canada. Des clients qui s'étaient rués sur le papier hygiénique, faire des réserves. La peur est irrationnelle, nous disaient les psychologues. Qu'est-ce que c'est la COS-COVID? Mais c'est un phénomène, un mot que j'ai inventé. Ça correspond à aller vider le Costco en période de COVID. Ça dit tout. Fait que la COS-COVID, oui, on l'a vécu au niveau du papier de toilette, au niveau de certaines fournitures globalement au niveau de la province. Bien, on a également vécu certaines COS-COVID au niveau de l'usine elle-même. Fait que si on passe à la diapo suivante. Fait que rapidement, il y a certains employés, entre autres nos précoces, qui sont appropriés rapidement. Ils ont fait des réserves de tout ce qu'on avait de ressources au niveau liquide désinfectant, au niveau du Purel, au niveau des masques de procédure. En fait, puis on avait à l'usine, on a ce qu'on appelle un magasin. Puis les gens, avec un bon de sortie de matériel, peuvent sortir des équipements et des fournitures, entre autres. On avait un certain inventaire de Purel et de masse de procédure. Rapidement, on s'est fait vider ça.
Fait qu'à ce moment-là, il a fallu changer la façon de contrôler justement nos fournitures critiques. On avait déjà une liste qui avait été établie, mise à jour. Le magasin d'usine, comme je viens de le mentionner, s'est fait initialement Costco-vidé. Littéralement, on ne trouvait plus aucune lotion désinfectante. Fait qu'on a dû établir ce qu'on appelle un entrepôt satellite sécurisé. Fait que toute notre fourniture critique, on les a mis dans un local verrouillé et contrôlé. Avec un contrôle serré de l'inventaire, on a dû ajuster justement les quantités minimum à partir de laquelle on passait des commandes, étant donné que les délais étaient rendus beaucoup plus longs pour obtenir ces fournitures-là. Et également ajuster nos quantités maximum qu'on voulait avoir en inventaire, étant donné que le niveau de consommation avait été augmenté de beaucoup. Fait que par contre, on voulait quand même que l'accès à ces fournitures-là, fournitures critiques, soit facile pour les employés. Autrement, là, on rate la cible. Fait qu'on a, c'est les superviseurs qui devaient aller à l'entrepôt, demander à la sécurité de l'ouvrir ça. La sécurité leur fournissait des fournitures pour leurs employés pour une période de 2 à 3 semaines. Le superviseur devait garder sous clé ces fournitures-là dans son bureau et les employés n'avaient qu'à aller voir le superviseur au bureau pour en obtenir. Okay? Fait que ça a permis là, relativement facilement de gérer la question des fournitures critiques, gérer pas seulement au niveau des employés, parce que certains superviseurs avaient aussi des tendances Covid en voulant s'équiper pour 2 à 3 mois et non pas de 2 à 3 semaines. Fait que c'est un élément qu'on a dû gérer, qui semble simple, mais on se rappelle tous à quel point c'était difficile en début de pandémie d'obtenir des lotions désinfectantes, Purell, masques de procédure. Nous, on a dû faire venir des masques de procédure de nos installations en Chine, qui, curieusement, en début janvier, c'est nous qui avons envoyé plusieurs dizaines de milliers de masques de procédure à nos installations chinoises qui étaient en manque. Fait qu'on nous a retourner la balle là, à notre tour quand on a eu besoin d'aide. Fait que gestion des fournitures critiques, ça a l'air très simple quand on a un plan de gestion, etc. Mais en cas de pandémie, bien, on se trouve à avoir certains comportements qui peuvent être irrationnels, comme dans ce qu'on a vu pour le papier de toilette. Et on a bien, vécu la même chose au niveau industriel. Monsieur Pichet, il vous reste 5 minutes pour conclure. OK. Rapidement, ici, ce que j'ai à la gauche, c'est un contenant de savon pour se laver les mains, un contenant de 250 ml de Purell, un 4 litres de Purell, un tourniquet pour contrôler les accès et une boîte à lunch. Tout ça pour dire que à l'usine dont je parle, on avait depuis des années un savon à mousse, de très bonne qualité, qu'on a une lotion hydratante pour éviter l'assèchement des mains, inodore, et en plus, ça s'appelle Utopia AB, AB pour antibactérien. Fait qu'on avait à peu près le meilleur produit possible pour demander à nos gens de se désinfecter les mains, mais dans leur tête, un savon, c'était pour se laver les mains, qu'on avait les mains sales, fait qu'ils n'ont jamais voulu adopter ce savon comme mesure. Il était absolument à avoir du Purell. On a mis des contenants de Purell de 200 ml un peu partout dans tous les locaux, salles de conférence. 24 heures plus tard, on commençait à recevoir des plaintes. On n'a plus de Purell. On rajoute du Purell dans tous les endroits qui en manquaient. 24 heures plus tard, le Purell était disparu. On s'est rapidement rendu compte que nos petits contenants de 250 ml se retrouvaient dans les boîtes à lunch et les gens les amenaient à les maisons, ce qui fait qu'on était en rupture de stock à l'usine. Pour résoudre le problème, on est passé à des contenants de Purell de 4 litres. Fait que je vous mets un défi de mettre un contenant de 4 litres dans une boîte à lunch. Ça a permis de régler le problème. Seul problème qui restait, c'est à l'entrée d'usine. Encore là, on avait des distributeurs sur pied, mais près de 50 % des employés, qu'on a pu valider avec les caméras de surveillance, ne se désinfectaient pas les mains à l'entrée de l'usine. Pour eux, on arrive de la maison, on a les mains propres, c'est pas requis. Donc, on a dû installer un tourniquet comme ça. Les deux trous qu'on a en haut, c'est que pour activer le tourniquet, on doit se mettre les mains là-dedans. Ça nous injecte une solution de Purell et à ce moment-là, le tourniquet est déverrouillé. On peut pénétrer dans l'usine. À partir de ce moment-là, on a réussi à obtenir 100 % d'adhésion au niveau de la désinfection des mains.
Si on va à la suivante. Bon, OK, niveau de distanciation sociale étant manquant, je vais aller rapidement parmi les mesures qu'on a mises en place, mais on a mis des horaires décalés aux 30 minutes pour le personnel essentiel, s'assurer qu'il y ait moins de personnes qui entrent en même temps de l'usine. L'usine est relativement vaste, mais par contre, l'entrée de l'usine représentait un goulot d'étranglement où il y avait un risque important de contact. Fait que pour limiter le nombre de personnes qui arrivaient en même temps à l'usine, on a décalé les horaires des gens. Naturellement, ceux qui pouvaient faire du télétravail, qui étaient non essentiels à l'usine, on leur a exigé de faire du télétravail. Personnel d'entretien qui travaillait normalement de jour avec équipe volante, nuit, fin de semaine, mais on a mis tout le monde sur quart de jour et quart de nuit encore pour diminuer les potentiels de contact. Du marquage au sol, entre autres au niveau du poisson, la sortie de l'usine, tout le monde se regroupait là pour aller poissonner et enregistrer leur temps de travail. Fait qu'on a mis du marquage au sol. C'était pas suffisant. On a dû demander à nos superviseurs d'aller faire de la surveillance sur place pour que les gens respectent le 2 mètres. On a affiché le nombre maximum de personnes dans les locaux, on a mis des cloisons de plexiglas. Malgré le décalage des horaires, certaines personnes arrivaient quand même à des heures précoces au travail, passaient une demi-heure, trois quarts d'heure à la cafétéria, fait que ça ne réglait pas notre problème. Donc, on a dû se regarder de près, puis vraiment s'assurer que les gens n'arrivent pas très tôt à l'usine, gérer les groupes dans les salles à manger. On a même dû aller dans les salles à manger, retirer les tables qui étaient superflues, les mettre dans un autre local, parce que les tables revenaient sur place. Que c'est vraiment, on parle de comportement vraiment humain, mais c'est des choses vraiment terre à terre comme ça qu'on a dû faire pour contrôler la situation. Et si on passe à la suivante, naturellement, volet communication par la direction, service santé, affichage, écran de télévision, article dans le journal, page intranet, formation en ligne, sondage sur l'état mental du personnel, autant à la maison qu'en télétravail. Vraiment, c'était beaucoup de travail, mais ça a contribué vraiment là, à sécuriser notre personnel et permettre là, d'aller chercher nos tardifs et les amener dans le groupe pour respecter les consignes. Et finalement, suivante, probablement ce qui a contribué le plus vraiment là, à gérer la situation, c'est la façon dont on a géré nos contacts étroits, les cas positifs. Fait que tous les employés ont été encourager à avertir immédiatement le service de santé dès le début de l'apparition de symptômes associés au COVID. Ceux qui avaient des symptômes associés, mais on les envoyait en quarantaine préventive à la maison, rémunérés à 100%, avec un suivi quotidien par le service de santé, vérifier si les gens se sentaient bien, ce qui avait été prendre leur test de dépistage, et en même temps s'assurer qu'ils demeuraient à la maison confinés en quarantaine. Ça a permis de mettre en place un climat de confiance au sein des employés. Ils n'avaient pas peur de rapporter des symptômes, sachant qu'en cas de doute, on les envoyait à la maison avec rémunération. Par contre, au début de la COVID, ça pouvait prendre dans certains cas de 7 à 10 jours avant de recevoir un appel de la santé publique pour savoir les résultats du test de dépistage. Fait qu'on a mis rapidement en place un système où automatiquement, on demandait aux employés l'autorisation de permettre au médecin d'usine d'aller à travers son cabinet, aller avoir accès direct aux résultats de tests de dépistage. On s'est aperçu que les tests de dépistage, on pouvait avoir les résultats typiquement de 24 à 48 heures après le test. Ce qui prenait du temps, c'était vraiment les appels de la santé publique, fait qu'on a pu réduire là, à 24-48 heures à peu près en moyenne la durée des quarantaines préventives. Fait que je dirais que c'est probablement là, vraiment l'élément là, qui nous a permis de limiter le nombre de cas positifs. Qu'est-ce que ça a donné tout ça? Ultimement, c'est la question qu'on se pose. Au cours de l'année 2020, on a quand même dû faire 200 mises en quarantaine préventive. Ça peut paraître beaucoup, mais on parle de quarantaine de l'ordre de 24 à 48 heures dans la majorité des cas. Beaucoup de ces gens-là pouvaient faire tout de même du télétravail pendant leur quarantaine. Plusieurs également étaient souvent en congé ou en vacances pendant leur période de quarantaine. Fait que c'est pas si mal que ça. On s'est retrouvé avec seulement 3 cas positifs parmi nos 120 employés. Tous ces cas-là, à suite de contacts étroits, mais en milieu familial,
dont 2 cas sur 3 des contacts avec des conjoints ou conjointes là, travaillant dans les milieux hospitaliers qui avaient contracté le virus. Et aucun cas de contact ou aucun cas positif suite au contact d'un confrère de travail. Et naturellement, mais ça a permis d'établir un bon climat de travail. Nos 3 cas positifs, malgré que c'était produit en milieu familial, on a informé les employés de la situation. Et avec tout ça, ça nous a permis de maintenir nos opérations sans vraiment aucune interruption. Fait que vraiment, ça a été très, très efficace. Et finalement, pour conclure, la diapo suivante. Ben, comme je viens de le mentionner, une bonne part de ces résultats-là ont été associés à une excellente communication, gestion des comportements, gestion des contacts étroits. Fait que le message, c'est que oui, on parle de pandémie, mais on peut faire face à des situations similaires pour d'autres types de crises. C'est important de prendre en considération le volet comportemental quand on établit nos tactiques et être prêt à les modifier. Exemple concret, mais, inondation. Non, mais malgré les consignes d'évacuer nos maisons lorsque la situation devient critique, on a toujours un certain pourcentage de la population qui va demeurer sur place, qui va nous obliger, quand la situation va vraiment devenir critique, à prendre une période un pourcentage de nos ressources, pompiers et autres, pour aller sauver, aller chercher ces gens-là, quitte même à se mettre en danger, chose dont on pourrait se passer. Mais c'est le comportement humain. Fait que ça clôt ma présentation. Comme on a mentionné tantôt, après les présentations de M. Drolet, je serai disponible pour répondre des questions. Vous avez mon adresse courriel si vous voulez me contacter directement. Fait que là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Et je passe la parole à Pierre Drolet de Air Liquide. Merci. Alors, merci, M. Piché. En fait, je vais couvrir un peu le même genre de choses que M. Piché a déjà couvert dans un contexte peut-être un petit peu différent d'une entreprise qui est vraiment globale au niveau mondial. Et s'il y a des choses qui se répètent, je m'en excuse, mais par contre, on va voir un peu où on a approché les choses des fois sur un angle un petit peu différent. Donc, je vais mettre tout de suite la présentation en ligne. Alors, voilà. Bon, alors. Encore là, on va regarder la gestion de la santé et sécurité au sein d'une entreprise dans le contexte de la pandémie. Encore là, dans une entreprise d'une grande taille. Donc, on va parler, entre autres, de gestion de la pandémie comme telle, du plan de continuité des opérations, de mise en place et de la coordination des plans d'action. Et je dis bien des plans d'action parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Ensuite, l'application des mesures de santé et sécurité et des mesures sanitaires dans les opérations. Et finalement, conclure avec les leçons apprises et les meilleures pratiques qu'on a pu développer dans ce contexte-là. Donc, évidemment, on se rappelle tous que les nouvelles sont sorties de Chine en fin décembre, début janvier. Évidemment, nous, Air Liquide, on est une grande entreprise au niveau mondial. On est une compagnie européenne avec des opérations notamment en Chine. On a des opérations partout dans le monde, mais notamment en Chine. Donc, on a probablement eu un petit peu une longueur d'avance par rapport à d'autres entreprises qui n'ont pas le bénéfice d'avoir ces opérations-là un peu partout dans le monde. Donc, on a vu venir les choses quand même assez rapidement plutôt que les subir là, plus tard au mois de mars. Donc, dès le mois de janvier, nous, on était déjà monopolisés pour lancer les choses et tous les plans de contingence et tout ça. Donc, par contre, on est une grande entreprise. On a 65 000 personnes dans le monde. Mais une particularité, c'est qu'on a des petits sites. En fait, pour nous, un site de 25 personnes, c'est considéré comme un gros site. Donc, on a une multitude de petits sites partout dans le monde, mais entre autres au Canada et au Québec.
qui ont des fois une personne, deux personnes, quatre personnes. Et ces gens-là sont aussi exposés que dans une grande entreprise, là, qu'à des grands sites. Donc, il faut s'assurer de couvrir l'ensemble de toute la gamme de types d'opérations qu'on peut avoir, que ce soit des magasins, que ce soit des centres de production comme tels, des centres de distribution avec une flotte de camions, donc des chauffeurs qui se baladent d'un client à l'autre, et les clients n'ont pas nécessairement tous le même niveau d'adhésion aux mesures sanitaires. Donc, tout ça, il faut que ça soit pris en compte dans l'ensemble du plan. Donc, par contre, une des particularités qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on évolue autant dans le domaine de la santé que dans le domaine industriel. Donc, au niveau industriel, on a des applications dans tous les domaines, que ce soit dans le raffinage, dans le pâte et papier, dans l'alimentaire, dans le pharmaceutique, tout ce qu'on veut. Et au niveau santé, évidemment, on est des fournisseurs d'oxygène dans les hôpitaux, quand vous voyez les gros réservoirs blancs à l'extérieur des hôpitaux. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fournit. Les bouteilles d'oxygène, que ce soit pour les patients qui sont, ou les clients qui sont à la maison, qui ont besoin d'oxygène additionnel au niveau respiratoire. Mais on fabrique aussi des équipements carrément liés à la respiration, donc ventilateurs, respirateurs et tout ce genre de choses-là. On était aussi dans cette fabrication-là. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'on a été sollicité très, très tôt dans toute l'histoire de la pandémie. Donc, au départ, gestion de la pandémie de la COVID-19. Donc, première chose, c'est qu'on a, bien avant le COVID-19, on a quand même un plan de pandémie qui est en place. Ceci étant dit, ça c'est un plan qu'on a depuis longtemps, on avait ça même quand on a eu le SRAS en 2003. Mais une des choses, c'est que justement, la COVID-19 par rapport au SRAS en 2003, c'est quand même quelque chose d'une ampleur passablement différente. Donc, on avait quand même un plan de pandémie qui était déjà en place, mais qu'il a fallu mettre à jour rapidement pour couvrir tous les aspects qui avaient rapport à la COVID-19. Donc, ce plan de pandémie général-là, si vous voyez la date en haut, là, il est daté du 13 mars 2020. Et pour ceux qui se rappellent, le 13 mars 2020, c'est vraiment là où le Québec s'est mis en pause là, pour ce qui est d'essayer de gérer la pandémie. Donc, en fait, évidemment, on n'a pas mis le plan à jour là, entre le 12 et le 13. Ça s'est fait à partir en fait, du mois de janvier. Et en fait, c'est un petit peu un hasard là, que le 13 de mars, notre plan était déjà en place pour s'occuper de la pandémie de la COVID-19. Immédiatement, on a mis aussi en place une cellule de crise corporative qui était sous la direction du président. Donc, c'est le président de la société qui, au Canada, qui gérait vraiment là, l'équipe, la cellule de crise avec des réunions journalières au départ, qui se sont espacées à mesure que les choses se sont mises en place, évidemment, et qui continuent aujourd'hui à une fréquence moindre, mais quand même qui avait été mise en place très, très rapidement au départ. Ce qu'on a noté, évidemment, c'est que quelque chose de très, très important, c'était le plan de communication. Donc, le suivi en temps réel des directives des autorités de santé et de sécurité publique. Et en fait, je dis les directives, mais il y a aussi les demandes, parce qu'on a fait face à un nombre incroyable de demandes de toutes sortes, de peu près tous les ministères possibles et imaginables au Canada qui nous demandaient toutes sortes de choses. Quel était le niveau d'inventaire de vos masques? Quel était le niveau d'inventaire de vos gants? Avec combien avez-vous de Purell en stock? On a eu des demandes incroyables qui venaient de partout. Et si vous vous rappelez, à un moment donné, au milieu du mois de mars, il y a même eu une période où on parlait d'isoler l'île de Montréal parce qu'il y avait vraiment un nombre de cas beaucoup plus élevé dans la région de Montréal. Donc, on parlait d'isoler Montréal et évidemment, les gens de la sécurité publique de Montréal nous ont contactés à savoir comment on allait réagir, qu'est-ce qu'on allait faire, quels étaient nos plans, combien on avait de personnes impliquées, combien on avait de sites sur l'île de Montréal, combien il y avait de personnes qui étaient couvertes par ce site-là. Est-ce qu'il y avait de ces sites-là qui étaient critiques, considérés critiques au sens d'essentiel?
Donc, tout ça, là, c'est énormément d'informations. Et vous pouvez vous imaginer qu'on avait la même chose à Toronto, on avait la même chose à Calgary, on avait la même chose un peu partout. Donc ça demandait un effort incroyable de la part d'un grand nombre de personnes pour coordonner les choses. Parce que ce qui est essentiel aussi dans ces situations-là, c'est d'avoir une réponse qui est unique, c'est-à-dire une réponse qui est taillée à la demande de chacune des autorités dans les diverses juridictions dans lesquelles on opère, mais en même temps d'avoir quelque chose qui est cohérent et qui a une certaine cohésion entre tous ces plans-là, de façon à ne pas répondre des choses différentes à un organisme par rapport à un autre. Donc, tout ça, il fallait que ce soit vraiment très, très bien coordonné, autant au niveau local, provincial que national. Ensuite, il y avait évidemment énormément de communication régulière et coordonnée avec l'ensemble des employés. Et encore une fois, j'insiste sur le mot « coordonné », là. On ne peut pas demander aux gens de Calgary de faire quelque chose de différent de quelqu'un qui est à Montréal. Donc, il faut que ces choses-là soient coordonnées. Donc, les gens sur le terrain doivent se parler pour s'assurer que tout est sous contrôle. Ensuite, on a mis en place, évidemment, de l'affichage spécifique. On parle au Canada de 150 établissements en anglais et en français. Certains endroits qui doivent être bilingues, au Nouveau-Brunswick, par exemple. Donc, tout ça, il faut que ça soit coordonné de façon à ce que les affichages s'appliquent partout, que ça soit cohérent par rapport aux lois, aux réglementations locales, aux directives de la santé publique locale aussi. Donc, tout ça, ça doit être coordonné de très, très près. Ensuite, on a mis en place des fiches de questions-réponses pour les gestionnaires et des fiches de questions-réponses pour les employés. Donc, celles pour les employés, c'était des questions et des réponses vraiment pour des trucs qui leur sont spécifiques, mais qui sont applicables à l'ensemble des employés, peu importe l'endroit où ils se trouvent dans nos installations. Par contre, les fiches pour les gestionnaires adressaient des questions beaucoup plus pointues. Il faut comprendre évidemment que les employés en période de pandémie sont inquiets. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais pouvoir rentrer travailler? Qu'est-ce qui se passe si je suis malade? Est-ce que je vais être payé? Ce genre de choses-là. Donc, tout ça, et Luc, M. Piché l'a mentionné plus tôt, les questions de que les gens soient rémunérés pendant les périodes de quarantaine et tout ça, toutes ces choses-là, c'est le genre de choses qui doivent être adressées par les gestionnaires en temps réel. Donc, il faut être capable de répondre à ces choses-là. Donc, pour vous donner une idée, là, la question-réponse pour les gestionnaires, ça fait à peu près 12 pages. Et on a été invité évidemment à le revoir de façon régulière. Alors, le plan pendant la pandémie, évidemment, on a mis en place des comités de gestion de crise pour toutes les unités d'affaires. Donc, évidemment, nous sommes une grande entreprise, on a 4 unités d'affaires qui couvrent différents secteurs. La grande industrie, la moyenne industrie, la plus petite industrie et ensuite tout ce qui est le secteur de la santé. Donc, chacune de ces entités-là a son propre plan de continuité des opérations. Donc, ça, c'est quelque chose qui était déjà en place. C'est pas nouveau qu'on ait les plans de continuité. On n'a pas inventé ça quand la pandémie est arrivée. Par contre, il faut quand même s'assurer qu'il y a une coordination qui se fait entre tous ces plans-là, pour différentes raisons. Dans notre cas, on a une entité d'affaires ou une unité d'affaires qui fournit des services à la suivante et ainsi de suite. Donc, il peut y avoir tout un effet de cascade au niveau des plans de continuité. Et si la quatrième unité d'affaires n'est pas servie correctement par la troisième, par la deuxième, par la première et ainsi de suite, le plan de continuité va certainement faire défaut. Donc, on a mis en place un responsable, on a nommé un responsable de la coordination des divers plans de continuité et des opérations. Donc, cette personne-là était vraiment responsable de s'assurer que les plans entre eux étaient cohérents. Donc, c'était impossible de faire un seul plan global pour l'ensemble de la compagnie parce que, justement, on touche à tellement de secteurs qu'un seul plan, ce n'était pas quelque chose de probable. Mais par contre, avoir différents plans pour chaque unité d'affaires, c'est ce qu'on devait faire, tout en s'assurant d'une cohésion et d'une cohérence entre tous ces plans-là. Donc ça, c'était absolument essentiel.
L'autre chose, c'est que dans l'organisation qu'on avait pour gérer la crise, dans le comité de crise, on a mis en place aussi un secrétaire, donc une personne qui était responsable de prendre les notes, de faire les comptes rendus de réunion, et ce, de façon à ce qu'on puisse retourner en arrière pour re-questionner nos décisions. C'est-à-dire qu'il faut, il faut absolument avoir ça en mémoire, avoir les choses disponibles pour savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a décidé, et au besoin, ajuster le tir. Mais la seule façon d'avoir vraiment les réponses, parce que sinon, si on se fie strictement sur la mémoire des gens, c'est pas suffisant. Donc, on avait quelqu'un qui prenait les notes et tout ça, et qui était chargé de suivre les actions qu'on mettait en place. Donc, dans chacune des réunions du comité de crise, on avait des actions qui étaient décidées. On faisait le suivi tout de suite à la réunion suivante pour voir si les choses avaient été faites ou non. Sinon, on ajustait en conséquence, et tout ça dans le cadre d'un plan qui était vraiment avec une excellente cohésion. Ensuite, il y a eu au niveau de tout ce qui était inventaire d'équipements de protection individuelle et d'équipements spécifiques pour la lutte contre ce type de pandémie. Donc, j'ai mentionné plus tôt que nous, on est aussi des fabricants de ventilateurs, de respirateurs, de concentrateurs d'oxygène. On est un fournisseur d'équipements de sécurité, de masques, de gants, de purelles, de tout ce que vous voulez. Donc, ce genre de choses-là, évidemment, nous, on a été interpellés immédiatement par ces choses-là. On avait quand même un inventaire et on avait, par la taille de l'entreprise, accès à des inventaires qui étaient peut-être situés un peu partout dans le monde, mais c'était possible quand même de répartir les choses de façon à ce que ça soit le plus optimal possible pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, clairement, on était interpellés dès le départ là, pour la fourniture d'équipements qui étaient carrément liés à la COVID, et pas seulement pour notre entreprise, mais pour l'ensemble de la société. Donc, au niveau du plan de continuité des opérations, évidemment, toute entreprise qui se respecte a déjà un plan de continuité des opérations qui doit être élaboré par un comité de travail qui est multidisciplinaire. C'est excessivement important. Le plan de continuité des opérations, ce n'est pas strictement quelque chose d'opérationnel que les gens d'opération vont élaborer. Donc, il faut penser à plusieurs facteurs. Donc, par exemple, quels sont vos produits et services pour lesquels la demande se maintient et qui devraient se maintenir au cours des prochains mois? Parce qu'il y a quand même des produits qui vont continuer. Quand le Québec s'est mis sur pause au mois de mars, on n'a pas mis sur pause certaines industries, par exemple les industries chimiques, qui sont pour nous un gros client. Donc, ces gens-là, ils allaient continuer à produire de la même façon. Un exemple de ça, on a un client qui fabrique du peroxyde d'oxygène, qui est un désinfectant. Donc, nécessairement pour eux, la demande, plutôt que de réduire, la demande a plutôt augmenté. Donc, leur demande augmentant, la demande pour nos produits qu'on leur fournit a suivi exactement la même courbe. Donc, c'est un cas là où vraiment il n'y a pas eu de diminution de demande. Donc, il fallait absolument continuer de produire. Bon, ensuite, quels sont les produits qui sont essentiels à l'existence de l'organisation, même si la demande va tomber brutalement pendant la crise? Donc, ça, c'est les produits que, quand la crise va se résorber, il va falloir retourner à la fourniture et il faut être en mesure de le faire. Et une des choses qui était les plus, je dirais pas les plus difficiles, mais qui a fallu gérer de façon très, très serrée, c'est de s'assurer que les gens allaient être disponibles quand on allait retourner à une situation semi-normale. Donc, étant au mois de mars ou à peu près, bon, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à prendre des vacances, qui vont dans le sud, etc. Évidemment, toutes ces personnes-là, ou la majorité de ces gens-là, n'ont pas pris de vacances, ne voulaient pas prendre de vacances. Ils préféraient attendre que les choses reviennent un peu à la normale pour prendre leurs vacances plus tard à l'été. Nous, c'était pas quelque chose qu'on pouvait se permettre, que tout le monde parte au mois de juin, quand les choses allaient retourner, on espérait, à la normale à ce moment-là. Donc, on ne pouvait pas se permettre que tous les gens partent en même temps. Et puis là, quand la demande revient, il nous manque du monde pour être capable de produire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait gérer. Donc, il fallait quand même s'assurer que les gens prennent une certaine quantité de vacances et en s'en allant, même s'ils étaient dans plusieurs cas ou dans plusieurs régions confinés à la maison.
Donc, ça, c'est le genre de choses qu'il faut gérer avec le personnel, qui n'est pas évidemment facile à gérer, mais c'est quand même une nécessité. Ensuite, quels sont les approvisionnements qui sont indispensables à vos activités? Bon, nécessairement, il y a un paquet de choses qu'on se doit d'avoir, peu importe. Quels sont les fournisseurs dont vous ne pouvez pas vous passer? Donc, ça, ce que ça influence, c'est vraiment une façon d'expliquer aux gens de la santé publique pourquoi certains fournisseurs devraient être sur la liste des fournisseurs critiques ou des fournisseurs essentiels, comme on les appelait. Donc, nous, Air Liquide, on a été déclarés fournisseurs essentiels immédiatement. Il n'y a eu aucune difficulté. On savait que nos clients dans l'industrie chimique, dans le raffinage, ce genre de choses-là, avaient été déclarés essentiels aussi. Par contre, on a certains fournisseurs dont nous, on ne pouvait pas se passer pour nous-mêmes pouvoir produire. Donc, c'est comme ça qu'il y a certains de nos fournisseurs qui ont été déclarés essentiels suite à des demandes qu'on a fait à la santé sécurité publique, par exemple, pardon, santé publique, pour qu'ils soient vraiment reconnus comme essentiels. Ensuite, quels sont les postes, les employés sans lesquels vous ne pouvez pas continuer de fonctionner? Donc, évidemment, la demande a diminué dans certains secteurs. Donc, il y avait certains employés qui étaient plus requis comme tels. Par contre, on n'a pas mis de gens à pied comme tels. On a eu des gens qui ont où les heures ont été un peu diminuées. Et encore une fois, c'était bon pour deux raisons. Premièrement, continuer que nos gens continuent d'être rémunérés et qu'ils puissent passer à travers la crise de façon financière, de façon un peu plus facile. Et en même temps, pour s'assurer que ces gens-là allaient être disponibles quand la crise se résorberait et qu'on pourrait continuer d'opérer quand les choses reviendraient un peu plus à la normale. Donc, et pour tous ces points-là, il faut vraiment identifier quels sont les risques à court et moyen terme qui pourraient nous priver soit de personnel, soit de fournisseurs, soit de produits ou quoi que ce soit. Donc, tout ça doit être évalué dans un contexte d'évaluation des risques. Bon, deuxièmement, avez-vous un plan B? Donc, c'est beau avoir tout mis en place, les plans de continuité, tout ce qu'on veut, OK? Mais il reste qu'il faut quand même être prêt à ce que les choses changent. Et on l'a vu, les choses peuvent évoluer assez rapidement dans ces situations-là. Donc, même si vous avez un plan, que vous avez essayé de prévoir toutes les situations possibles et imaginables, il reste que la crise peut s'amplifier et il y a toutes sortes de nouvelles embûches qui peuvent survenir. Donc, par exemple, ce qu'on a mis en place, c'est faire des réserves de matières premières qui pourraient venir à manquer. Donc, pour certaines choses, on a vraiment créé un stock plus haut que normal pour être capable de passer à travers si quelque chose arrivait à manquer. Modifier certaines procédures opérationnelles pour réduire la dépendance envers soit un employé ou un fournisseur. Donc, nécessairement, si un site particulier était affecté par une épidémie de COVID, il faut être capable de se retourner et de faire fournir l'ensemble de nos clients de façon continue. Mais en allant par un autre site, en allant par un autre groupe de personnes ou quoi que ce soit. Envisager de déplacer certaines activités d'un service à l'autre ou de relocaliser temporairement certaines activités. Donc, encore une fois, des choses qu'on faisait, je ne sais pas moi, à Ville d'Anjou, peut-être les relocaliser à Drummondville. Donc, je donne un exemple comme ça. Ensuite, sous-traiter des activités que normalement on voudrait conserver à l'interne. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on a dû faire dans certains cas. Il y a des choses qu'on voudrait vraiment faire à l'interne, mais pour des raisons de toutes sortes, ça devenait impossible de le conserver à l'interne. Donc, il a fallu trouver des fournisseurs qui étaient capables de produire un peu à notre place. Ensuite, coopérer avec des concurrents pour le bien de la collectivité. Bon, évidemment, quand on parle d'oxygène ou ce genre de choses-là, ou de tous les gaz respiratoires qu'on peut fournir, pardon. Évidemment, il y a aussi certaines lois sur la concurrence qui doivent être respectées. Donc, il faut rester dans les limites de ça. Évidemment, les autorités sont quand même un peu plus conciliantes, je dirais, quand on doit se parler au niveau de fourniture de biens critiques, par exemple, comme l'oxygène. Évidemment, il y a eu des choses qui se sont faites
Par exemple, on va beaucoup coopérer ensemble si jamais il y avait une, si jamais pendant la pandémie, il y avait eu une panne chez un de nos compétiteurs et qu'eux n'étaient pas en mesure de fournir un hôpital, bien évidemment, on leur aurait permis de venir chercher du produit chez nous pour pouvoir alimenter un hôpital parce que c'est tellement critique. Et évidemment, demander la collaboration des fournisseurs et des clients. Donc, évidemment, avec des contacts fréquents avec tout le monde, on était capable de gérer tout ça pour que tout le monde soit couvert en termes de produits, de production et de pouvoir continuer ses propres opérations. Monsieur Drouet, ce qui est important, évidemment, c'est que l'ensemble des directions doivent être impliquées. Que ce soit les opérations, les gens de santé et sécurité, les gens d'approvisionnement, évidemment, les gens de TI, parce que, bon, la TI, évidemment, là, quand on dit qu'on va avoir 2500 personnes qui, du jour au lendemain, vont se ramasser à travailler à la maison, je peux vous dire tout de suite que c'est pas évident d'organiser tout le monde pour être capable que tout le monde puisse être productif à la maison. Nonobstant les questions personnelles, à savoir s'il y a de la famille, des gens, des animaux, etc., à la maison avec eux. Évidemment, les finances, les affaires juridiques, évidemment, ça, c'est clé. Et évidemment, les ressources humaines pour tout ce qui touche les employés, c'est absolument critique. Donc, tous ces gens-là doivent être absolument impliqués dans la mise en place du plan. Monsieur Drolet, je vous informe qu'il reste 5 minutes, s'il vous plaît. Ça va. Donc, évidemment, au niveau du plan d'action COVID-19, ce qu'on met en place, c'est un premier plan d'action. Donc, vous voyez ici à droite, il y a un plan d'action COVID-19. Vous voyez la date en haut à droite, le 6 janvier 2021. On en est déjà à la révision 4. Donc, ce plan-là, c'est vraiment celui qui est spécifique à la COVID-19. Plutôt, on avait vu le plan qui était pour les pandémies en général, mais on a aussi un plan qui est vraiment spécifique à la COVID-19 et qui a été mis à jour de façon régulière dans le temps. Comprendre les risques liés à la COVID-19, contrôler les risques liés à la COVID-19 au milieu de travail. Donc, tout ça, c'est ce qu'on fait normalement dans un contexte de santé et sécurité, où on va utiliser la hiérarchie des contrôles en commençant par ce qui est le plus efficace, l'élimination, en descendant à la substitution, les contrôles techniques, les contrôles administratifs et les équipements de protection individuelle qui, à la limite, sont les choses les moins performantes en termes de protection, mais qui sont quand même les plus faciles à faire. Donc, c'est plus facile de mettre des équipements de protection individuelle que d'éliminer au départ ou de substituer des produits. Mais ça prend quand même un mélange ou un bon mix là, de tous ces aspects-là. Au niveau de la reprise des activités, en fait, ça, c'est une courbe assez classique, là. Donc, bon, le fonctionnement normal, tout à coup arrive la crise, on planifie la reprise, on met en place un plan de mobilisation pour les travailleurs, on fait les suivis, tout ça se place. Et ensuite, réagir pour améliorer, faire un retour d'expérience aux besoins. Et ensuite, c'est le retour à la normale. Bon, par contre, quand on parle du retour à la normale, ce que je vous invite à voir sur le petit graphique, c'est que la période normale à la fin, elle n'est pas au même niveau que le fonctionnement normal du début. Donc, quand on dit qu'on va revenir à la normale, on va appeler ça le nouveau normal. Donc, il y a quand même un delta entre où on va se trouver à la fin et où on est parti au début, là, qu'on appelle fonctionnement normal. Donc, les choses ne seront plus jamais les mêmes, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va adapter des procédures, des façons de faire, des pratiques pour être capable de réagir de meilleure façon advenant une autre crise de même nature. Pour la suite, évidemment, au niveau de l'application des mesures, la première boîte, là, on montre les barrières comportementales, donc encore le lavage des mains, ce genre de choses-là, la distanciation sociale, respect de toutes les consignes qui sont données par la santé publique, et éviter les contacts rapprochés avec les collègues sur le lieu de travail. Encore une fois, on a des gens qui se déplacent partout chez la clientèle, que ce soit des chauffeurs de camions, des livreurs, des gens qui vont aller livrer des appareils respiratoires,
Bon, on a tout un groupe d'inhalothérapeutes qui travaillent pour nous. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas le choix de se rendre chez les clients. Donc, il faut respecter toutes les règles. Ensuite, les barrières organisationnelles. Donc, encore là, les prises de température, ce genre de choses-là que tout le monde connaît. Et les barrières physiques comme le masque, la réorganisation des espaces communs dans les installations, le nettoyage, et tout ça qui se fait de façon beaucoup plus régulière sur les postes de travail pour le peu de personnes qui continuent de travailler sur les sites. L'affichage, évidemment, je m'excuse, là, tous ceux-là sont en anglais, mais bon, on a de l'affichage qui doit être coordonné, dans notre cas en anglais et en français, certains endroits en anglais, certains endroits en français, certains endroits dans les deux langues. Tout ça, il faut que ce soit coordonné. Et que ce soit facilement repérable pour les gens. Donc, que ce soit des choses qui soient très graphiques, avec tant que possible un minimum de texte, de façon à ce que les gens reconnaissent rapidement les choses. Donc, ça, c'est important que tout ça soit mis en place. Heureusement, nous, on a quand même bénéficié de l'ensemble de la société, là, qui est un grand groupe. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là qui ont été faites au niveau corporatif. Mais bon, on le fait quand même... un peu taillé là, aux besoins du Québec et du Canada dans ce cas-ci. En terminant, les meilleures pratiques et les leçons qu'on a apprises, la première chose, c'est de ne pas paniquer. Donc, il n'y a aucun avantage à paniquer dès le départ. Ça ne va pas régler le problème et ça ne va pas rendre votre vie plus facile. C'est important de désigner un chef qui dirige le groupe et une autorité décisionnelle. Donc, dans notre cas, c'est vraiment le président de la société qui a été nommé pour être le chef qui dirigeait l'ensemble du groupe et un responsable des communications qui, dans notre cas, évidemment, on a une personne qui est attitrée aux communications, mais qui travaillait en très, très étroite collaboration avec les services juridiques parce que le service juridique coordonnait tout ce qu'on pouvait récupérer là, des différentes autorités de santé publique partout au pays. Donc, ces gens-là ont travaillé ensemble de façon très, très étroite pour développer toute l'information, toute la communication qui se faisait avec les employés et même avec les autorités à l'extérieur aussi. Revoyez, mettez à jour continuellement le plan de continuité des affaires. Les choses bougent, les choses changent, ça change d'un endroit à l'autre, ça change d'une ville à l'autre. Il y a des villes qui ont émis certaines directives, des fois c'était la province, des fois c'était un comté dans certaines autres provinces. Donc, il y avait plusieurs niveaux de gouvernement qui venaient donner des directives de toutes sortes, que ce soit autant sanitaire que de sécurité publique. Ensuite, évidemment, tenir les employés régulièrement informés, ça, c'est absolument critique. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe, ils veulent savoir où on s'en va, où ils en seront dans une semaine, dans deux semaines, dans un mois. Par contre, il faut quand même se donner le droit de ne pas avoir les réponses immédiatement à toutes les questions. Par contre, on va aussi s'engager à les fournir le plus rapidement possible, mais il faut quand même se donner le droit de ne pas avoir les réponses dès le départ. Parce qu'on les a pas les réponses. C'est pas une science exacte. Gérer une pandémie de cette façon-là, on le voit avec comment les gouvernements peuvent réussir à donner des consignes qui sont plus ou moins claires dans certains cas. Donc, aller chercher l'information avant de donner les réponses plutôt que d'improviser une réponse, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans un contexte de pandémie. Voilà, donc ça conclut ma présentation. Donc, si ça vous va, on serait prêt, je pense, avec M. Piché à prendre des questions s'il y en a. Merci. Merci beaucoup, M. Pierre Drolet, M. Luc Piché, pour ces témoignages. Malheureusement, le temps file à vive allure. Alors, nous allons passer à l'autre conférence. Merci à tous.